Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je suis super content parce qu'on a reçu un colis que j'avais commandé il y a à peu près un mois. Et dedans il y a plein de trucs que vous allez découvrir avec moi. C'est des choses que je connais déjà, mais j'avais quand même envie de partager cette petite ouverture avec vous parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont vraiment exceptionnels là-dedans. Donc on va pas perdre plus de temps et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture, c'est parti. Ok, bah alors pour l'ouverture des poteaux, on va faire ça simple, hein. J'ai pas les doubles caméras, surtout que je pars en voyage après-demain en métropole, donc j'ai tout mon setup qui est déjà rangé parce que je vais aussi vous faire des vidéos quand je serai en métropole, et ça va être super cool d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait pour avoir accès au contenu que je vais faire bientôt. Et du coup on va ouvrir ce petit carton vite fait là. Ah putain, je vais pas vous mentir, là-dedans il y a beaucoup de Gundam, donc c'est un petit colis que je m'étais préparé pour Noël. Je m'étais fait plaisir. Je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, Pilou, c'est Noël. Et du coup, je me suis acheté pas mal de petits Gundam. Mais pas que, il y a aussi un petit jouet surprise, on va dire. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Alors, hop, petite ouverture. On va pas se spoil, je vais poser ça là, les poteaux. Et on va y aller un par un. Alors, où est-ce qu'il est le petit bouchon de mon couteau? Donc, comme je vous le disais, on va déballer ça un par un. Merde, j'ai ouvert le carton à l'envers. Bon, c'est pas grave. Let's go. Donc le premier, qu'est-ce que c'est le premier? Oh, c'est le plus beau. Le premier, du coup, Gundam que j'ai reçu, c'est le Unicorn. Alors là, les gars, là, on a vraiment quelque chose de très qualitatif, hein. C'est vraiment un putain de robot, il est magnifique. Et en plus, dans celui-là, on peut intégrer des petites LED pour qu'ils brillent en rouge, là, un peu comme vous voyez là. Donc on peut rajouter des petites LED et ça c'est vraiment super. Donc je suis super content, le Unicorn, il va se rajouter à la collection les amis. J'avais plus beaucoup de place dans la chambre, mais on va trouver une petite place pour lui. Putain, il est super beau. Hop, le colis est super bien impacté, hein. Du coup on a aucun impact sur les boîtes, c'est assez cool. Parce que généralement sur ce genre de colis on retrouve pas mal de petits chocs quoi. Mais donc premier robot, le Unicorn Gundam, donc magnifique. On le fera en live sur la chaîne bien entendu. Vous le savez les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Pour le deuxième les amis, le deuxième robot, on est parti sur un petit crossbone, hein. Donc c'est le Gundam pirate avec sa petite tête de mort là, comme vous voyez. Il est super beau, super magnifique. Oh, il y a encore les prix dessus, bon c'est pas grave pour les prix. Ok, très très bien empaqueté. Par contre celui-là est ouvert je crois, ouais, il n'y a pas les scotch. Alors il a l'air de pas avoir les scotch, donc on va en profiter, on va ouvrir ça vite fait pour voir comment c'est à l'intérieur vu qu'il est déjà ouvert. Ok, nickel, donc il n'a pas l'air d'avoir de problème, il y a à peu près tout là. Ok, super. Donc Kali, le crossbone, pareil, vous l'aurez en live sur la chaîne. Donc abonnez-vous. Prochain paquet. J'en ai vu un là, mais celui-là, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc pour le prochain paquet, on a le Destiny. Alors ça, pareil, ça c'est un robot qui faisait partie de la série Gundam Seed Destiny. Donc magnifique le robot, c'est un robot que j'adore, que j'estime particulièrement. J'ai un petit diorama à faire avec celui-là pour accompagner le Freedom. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles, magnifique. En tout cas, très très beau le Gundam, beaucoup de détails, vraiment joli. Belle tête, le Destiny en AG. Pour le prochain, on en a encore un magnifique là, on a le Wing Gundam Zero EW. Donc pareil, c'est le Gundam Wing avec ses ailes en forme d'ange, enfin ses ailes d'ange. En l'occurrence, il est super beau, super quali, très très bon produit. Oh, il a des poses magnifiques. Oh là là, il est super beau celui-là. Celui-là, je pense que je vais me le faire tout seul, hein, parce qu'il est un petit peu plus compliqué. C'est celui que j'avais envie de faire en premier. Donc je vais peut-être pas vous le montrer, enfin je vais peut-être pas faire une vidéo dessus sur la chaîne. Mais si vous me suivez sur Instagram, Instagram, Facebook et Twitter, vous aurez du contenu alternatif en plus de la chaîne YouTube que je poste dessus. Et il fera sûrement partie du contenu que je posterai en story et compagnie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, n'oubliez pas Facebook, Twitter et Instagram Pixel TVs. On en a encore un normalement. Oui, on a encore un petit RG là. Donc pour le quatrième robot les amis, on a le Titan. Alors vous voyez, lui c'est un petit Gundam de base. Celui-là je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un Gundam de couleurs différentes pour pouvoir faire le méchant dans mes dioramas. Donc ça sera le robot méchant. Je ferai un petit diorama sympa avec celui-là. Bien entendu, vous aurez le montage aussi sur la chaîne. Super cool, je suis super content. Donc on a le Gundam MK2. Ouais, c'est ça, le MK2 Titan. Donc en bleu, il est super beau, super magnifique. N'oubliez pas de laisser des pouces et des commentaires en bas de la vidéo, les amis, ça me fera super plaisir. Et celui-là est scellé, donc très très bien dans la tour. Et là, les frérots, on va passer à un produit de top qualité, ok? Alors, j'ai peut-être l'utiliser un petit peu. Non, je n'utilise pas. Pas pour le moment. Alors, le produit que j'attendais le plus, les frérots, c'est ça.
Le puzzle du millénium. Alors pour ceux qui connaissent pas Yu-Gi-Oh, je fais aussi un peu de contenu Yu-Gi-Oh sur la chaîne, n'oublie pas. Et j'avais envie de m'acheter le petit puzzle du millénium et de me le faire moi-même. Alors là, on a un puzzle du millénium à découper un peu comme, comme les maquettes Gundam que j'ai reçues. Donc il faut découper toutes les pièces une par une et réussir à monter le puzzle et on aura un puzzle du millénium. Donc ça c'est vraiment super. Alors je vous tease vite fait les amis, il y a bientôt un jeu concours sur la chaîne et il y aura peut-être un puzzle du millénium à gagner. Donc si vous voulez participer, n'oubliez pas de vous abonner et à lâcher des pouces, des commentaires et compagnie. Et je mettrai peut-être un puzzle du millénium à gagner parce que j'en ai un deuxième qui est déjà sur Paris. Et comme je pars en voyage dimanche, je vais le récupérer, je vais le ramener et je l'offrirai à un de mes viewers, un de mes abonnés les amis. Et si ça c'est pas génial, si c'est génial en vrai. Donc voilà, puzzle du millénium, très très beau cadeau, très très beau colis, il est magnifique. Et il sera à gagner peut-être sur la chaîne. Mais je vous ferai une vidéo pour le concours et je vous en dirai plus à ce moment-là, les amis. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ouais, il est super beau et lui, oh là là là. Alors lui, bien entendu, vous l'aurez en vidéo. Je vais essayer d'en faire une vidéo très vite, peut-être samedi. Peut-être samedi, on aura celui-là en vidéo. Et puis voilà, en tout cas, je suis super content de mon colis. J'ai reçu tout ce que j'y avais commandé et tout est en très très bon état. Donc je remercie le magasin qui me l'a envoyé. D'ailleurs, si vous voulez savoir, je vous mettrai un petit lien dans la description. Ça s'appelle Rise of Gunpla et ils livrent en Guyane. Donc ça, c'est génial. Merci à eux. Et je suis très content du colis qu'ils m'ont fait. Il est très très bien impacté. Il n'y a pas de problème avec les boîtes et ça, c'est super cool. Donc les potos, bah écoutez, voilà tout ce que j'ai reçu aujourd'hui et tout ce qu'on va voir sur la chaîne ensemble. Bien entendu, si vous avez kiffé le contenu, vous me laissez des pouces, vous mettez un j'aime et puis vous me le dites en commentaire. On a kiffé ton contenu, Pilou. Et puis, je referai d'autres vidéos dans ce style. Donc là, on a les prochaines vidéos qui sont derrière moi, là-bas et là. Et puis, écoutez, hein, si vous voulez voir tout ça, n'oubliez pas, Pixel TVs. Allez, gros bisous, à bientôt. Bye bye.